La lettre. Dans la petite ville d'Akshehir, où il habite, Nasreddin passe pour un très savant. Un jour, une vieille paysanne vient le trouver, une lettre à la main. C'est la première fois qu'elle en reçoit une et elle ne sait pas lire. « Nasreddin, je t'en prie, lis-moi cette lettre, pourvu qu'elle ne m'apporte pas une mauvaise nouvelle. » Nasreddin prend la lettre et la parcourt des yeux. Au fur et à mesure qu'il avance dans sa lecture, sa physionomie s'assombrit et soudain il fond en larmes au grand émoi de la paysanne. « Oh Nasreddin, ne me fais pas languir davantage, j'ai perdu ma sœur Aïcha, c'est ça ?» Mais Nasreddin continue sa lecture sans répondre et peu à peu, les larmes laissent place à un sourire de plus en plus épanoui qui, à la deuxième page, se transforme en un éclat de rire, en un fou rire irrépressible qui ébranle jusqu'à son turban. La vieille n'y tient plus. « Nasreddin, tu vas me faire mourir. D'abord tu pleures, ensuite tu ris. Aie pitié de moi. » « Ah, ma bonne vieille !» réussit enfin à articuler Nasreddin. « Ne te fais aucun souci. Si je pleure, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas lire. Mais pourquoi ris-tu alors ? Eh bien, parce que moi non plus !»